Waouh! Le saviez-vous? Savez-vous, les frères et sœurs, que les sirènes qu'on nous montre dans les dessins animés, ils existent vraiment, que ce sont des esprits? Le saviez-vous? Savez-vous, les frères et sœurs, que si Seigneur se borne, nous n'avons pas qu'une seule chaîne, nous avons trois autres chaînes. Cliquez sur Seigneur se borne, abonnez-vous, activez la cloche, abonnez-vous sur la page d'accueil. Et sur la page d'accueil, vous voyez nos trois autres chaînes, abonnez-vous là-bas aussi pour nous soutenir. Et activez la cloche à chaque fois qu'on vous abonne, c'est extraordinaire. Les sirènes sont des mauvais esprits, des esprits qui sont tombés au commencement. Là même, on a dit qu'il y avait une guerre dans le ciel. Est-ce que vous êtes au courant même? Est-ce que vous êtes bien informé de la chose? Aujourd'hui, nous voulons vous dire certaines choses qui vont vraiment vous aider. Les frères et sœurs, soyez prêts, soyez bien assis. La raison pour laquelle nous faisons cette vidéo, pour vous parler de l'esprit des sirènes, ça, c'est tout simplement à cause du fait que les gens dorment la nuit et la rencontrent souvent. Les gens s'endorment, ils sont là tranquillement. Et eux, ils rencontrent des femmes. Les femmes qu'ils rencontrent dans leur sommeil. La plupart de ces personnes se disent, oh, c'est juste un film. C'est juste de la blague. C'est juste pour blaguer. Et rien d'autre. Oh! La femme que tu te vois là, là dans ton sommeil là, ou bien si tu es une femme, la personne que tu vois là, là peut-être que tu as endormi là. Ha! Faut pas la toucher. Faut tout faire sans la toucher. Parce que si tu la touches, tu vas sentir toi-même qu'il y aura un mouvement dans ta vie. Parce que la femme, elle n'est pas une femme ordinaire. Parce que cette personne n'est pas une personne ordinaire. Mari de nuit et femme de nuit, ce sont des démons. Soyez prêts, mes frères et sœurs. Nous commençons de nouvelles choses aujourd'hui. Et Dieu lui-même va nous aider. Quand on parle de mari de nuit et femme de nuit, nous sommes tous concernés par cette histoire. Souvent, toi, tu peux attendre quelque chose de grand venant de Dieu. Et la chose que tu attends venant de Dieu là, elle est là, elle est visible. Même les esprits peuvent voir que toi, tu seras béni. Ou à cette période bien définie là, toi, tu vas recevoir un truc très important de la part de Dieu pour te faire avancer. Alors, qu'est-ce que le diable peut faire? Qu'est-ce que le diable va faire? Le diable peut venir physiquement et il essaiera de détourner cette bénédiction. En fait, ce qu'il essaiera de faire, il essaiera de détourner la grâce de Dieu qui arrive pour toi. Il essaiera de t'amener toi-même aussi à décater du chemin. Voici ce qu'il fait. Pour commencer, il va t'envoyer des personnes qui vont te décourager d'être sur le chemin de Dieu. Le beau chemin de Dieu que tout le monde cherche, il ne trouve pas. Toi, tu l'as trouvé, mais tu veux quitter. Tu veux même abandonner le chemin là. À un moment donné, c'est comme ça que tu commences à te sentir. Et tu commences à parler pour dire, ah, depuis là, je suis chrétien, mais qu'est-ce que j'ai eu de cette histoire? Or, au moment où tu étais de parler ainsi là, la chose que tu attends de Dieu là n'est plus loin, n'est plus loin. C'est même tout près maintenant. C'est même près de toi. Et ces choses-là arrivent comme ça. Ah! Et l'esprit mauvais veut te parler. Et toi, si tu acceptes ça dans ton cœur, que tu continues, tu abandonnes même Dieu, tu arrêtes de prier. Le diable t'a eu. Et il va prendre cette bénédiction-là. Il va déjà commencer par t'amener des personnes qui vont te donner de faux conseils. Pour te mettre dans les problèmes. Des arnaqueurs, des personnes bizarres. Toi-même, tu vas sentir ça. En tout cas, ça va te faire plaisir. Ça va pas te faire plaisir. Et quand il envoie le diable, t'envoie une femme, même physiquement. Cette femme-là sera là pour te raqueter. Même le peu que tu as là, elle va chercher à t'arracher ça. Avant que ça devienne dans le monde, dans le domaine spirituel. Ça veut dire que si physiquement, toi tu as réussi à chasser la femme, tu as réussi à surmonter cette épreuve, ce qui va se passer, c'est que le diable qui ne baisse pas les bras, le diable qui roule comme un lion cherchant qui le voit, il reviendra encore. Il reviendra encore avec toi, avec d'autres stratégies. Parce que lui, il ne fait que changer de stratégie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le diable, notre ennemi, il ne fait que changer de stratégie.
On dit chez nous qu'il est stratégique. Et sa stratégie qu'il va utiliser maintenant, là, ça sera de passer par des choses que tu as l'habitude de voir, qui t'attirent, qui te séduisent, qui te plaisent. Et ça sera ça. Si tu es un homme, il voit que toi, avant de t'endormir, souvent tu regardes la télévision, ou souvent tu es très impressionné par ce que tu vois à la télévision, ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'amener une personne qui est typiquement jolie, avec toute la forme de cette femme même que tu as vue à la télévision. Toi, mon frère chrétien, tu vois la femme à la télévision, puis tu dis, ah, quelle créature de Dieu! Dès que tu appelles comme ça, tu as des problèmes. Des démons vont se dire, c'est qu'il aime la fille là. C'est pas comme ça, c'est qu'il aime la fille là. C'est qu'il aime, c'est qu'il aime. Puisqu'il aime la femme, nous on va tenter, on va le tester à ce niveau-là. Pour voir si on peut la voir en l'amenant une femme dans son sommeil. La femme de ta rêve est ici. Mais ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme sirène. Et quand elle va venir là, il est là. Elle vient il pas pour rigoler. Elle vient pour coucher avec toi et prendre quelque chose en toi. C'est pourquoi nous vous disons que les rapports sexuels, faites attention à ça. Ces rapports sexuels, le sexe est spirituel. Si toi, c'est le rapport sexuel de façon désordonnée, tu penses que toi, tu es comme un animal. Fais attention. Les gens vont t'encourager, mais tu ne sais pas dans quel problème tu es en train de te mettre même depuis. Nous allons te dire, si tu es un homme, tu ne veux pas vite vieillir. Il faut apprendre à ne pas coucher avec toutes les filles en désordre. Parce que ça, là, ça crée la vieillesse. Les gens vont te dire que oh, tu es un dieu, tu es viril, mon frère, ils t'ont menti, aujourd'hui, ils t'ont menti demain. Déjà, même physiquement, même, ça va baisser ta force. Même dans ta tête, ça va bouger quelque chose. Les choses ne peuvent plus aller correctement là-bas. Ça crée des trucs. Nous tous, on a connu ça. Un âge très bas, on a regardé la télévision, on a vu des trucs bizarres. Ça nous a influencés, on a cru que c'était une bonne chose. Et puis tout le monde parlait de ça, en voulant entrer dans ça, mais c'était un problème pour nous. Vous voyez ce qui a causé le sexe. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le sexe était tout engendré de causer dans la vie des jeunes gens. Il était fou à le connaître, plus ce qui ne va plus. C'est le sexe. L'enfant est perdu comme ça parce qu'il a vu un truc à caractère sexuel à la télévision. Et il a décidé de toucher à l'interdit. Ah, vous pensez que c'est de la blague? Ça existe. Donc le sexe qu'elle a, c'est spirituel. Et les démons travaillent avec cet esprit-là. L'esprit de la sirène, il vient pour coucher avec les gens. Les démons qui se déguisent en homme viennent coucher aussi avec les filles. Il peut même te venir, même te déshabiller comme si tu étais sa femme. La plupart du temps, même, il te voit même comme sa femme. Il se dit que oh, toi, tu es sa femme, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est bien. Tu es censé être au courant. Et c'est là que tu dois combattre le démon. Et pour bien combattre le démon, toi, tu dois tout mettre en œuvre pour ne pas l'accepter, pour ne pas le toucher. Pour ne pas qu'il te touche non plus. Toi, mon frère, tu as vu la femme, elle est dans ton sommeil. Il ne faut même pas penser que ce que tu vois dans ton sommeil, là, c'est un jeu. Ce que tu vois dans ton sommeil, là, ça peut même te tuer. Il y a des gens qui se sont endormis, ils ne sont pas arrivés le matin. Vous ne savez pas ce qu'ils ont vu. Si on vous dit, c'est peut-être vous n'avez pas quoi. Mais si comme on se connaît, vous croyez déjà. Mais faites tout pour ne pas tomber dans le piège. Faites tout pour ne pas tomber dans le trou. Nous sommes là pour prévenir les gens qu'il y a des mondes, le monde des esprits. Si le diable te cherche, il n'arrive pas à ta voix, il va passer par d'autres moyens. Et le moyen qu'il utilise, c'est aussi que nous sommes même en train de vous parler ici. C'est le sexe. Et c'est d'appeler les rêves des gens, de ton rêve. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est là maintenant que tu dois te lever et apprendre à être Dieu sur toi. La personne que tu vois toujours dans ton sommeil là, c'est ton ennemi numéro un aujourd'hui. Ce qui vient ici se coucher avec toi, c'est l'ennemi numéro un. Il faut prier.
Avant de dormir, il faut prier. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. Délivre-moi de tous ces démons. Moi, je ne suis pas appelé à me marier à un esprit. Libère-moi de cela. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, j'appelle Jésus. Tu lui dis, au secours. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, au secours. Tu vas t'aider. La masturbation est un grand problème aujourd'hui. Les gens se masturbent matin, mes histoires. Et ils se disent, oh, c'est juste pour le fun. C'est juste la blague. Mais ils ne savent pas que quand ils se masturbent, ils sont accompagnés. Même, ils sont même aidés par des démons. Et ces démons-là, ils veulent vous masturber matin, midi, soir parce que eux, ils gagnent une forte richesse. C'est-à-dire votre richesse là. C'est ce qu'ils prennent comme ça. Juste en vous masturbant, eux, ils vous arrachent quelque chose. Mais vous, vous ne savez pas ça. Tout ce que vous savez, c'est ce que tout le monde vous raconte. C'est ce que tout le monde vous dit à la télévision. Ah, la masturbation, ça fait du bien. Ah, ça peut te faire plaisir. Ce sont les menteurs aujourd'hui, ce sont les menteurs demain. Tiens, ton voisin qui est à côté. Ce sont les menteurs aujourd'hui, ce sont les menteurs demain. Ah, Dieu nous demande de nous sanctifier, de nous rendre purs. Parce que c'est ceux qui rentrent au ciel là-bas. Là. Ce sont même les gens qui sont propres. Mais toi, tu fais les trucs bizarres comme ça, ça te dit bien. Le gars là, il connaît toutes sortes de crèmes qu'il va utiliser pour se faire les choses. La femme, elle connaît toutes sortes de sextoys ou bien de produits ou bien de fruits. Oh mon Dieu. Qui n'a jamais fait ça ici? Si tu es un enfant, Dieu merci. Si tu es vierge, tu es loué. Si tu n'as jamais vu ces choses, alléluia. Ne cherche même pas à voir ces choses. Parce que moi-même qui te parle là, je regrette d'avoir même touché à ces choses. C'est aujourd'hui, hein, mes yeux sont grands ouverts. Si on avait demandé de redevenir même plus sauve, même il y a là accepté. Mais c'est trop tard. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles on rentre là. On ne peut plus sortir facilement. On ne peut plus sortir facilement. Dès que tu as goûté à ce fruit là, tu as déjà pris le coup. Mais tu as pour pouvoir en sortir là. Hey! Toi-même, tu vas comprendre qu'il y a un problème. Les gens se masturbent matin, midi, soir. Ils cherchent à arrêter, ils ne peuvent pas. Tu couches avec une femme dans ton sommeil, elle veut te voir. Le lundi, le mardi, tout ça. Tous les jours. Et quand elle vient te voir ton partenaire au milieu, toi-même, ça commence à être exagéré. Tu dois aller au travail. Tu dois aller au travail. Pourquoi ton patron va se mouiller comme ça? Tu as besoin de faire autre chose. Tu n'as pas besoin de toujours perdre du temps dans la douche en train de faire autre chose encore. Juste parce que toi, tu as eu des rencontres avec des personnes que tu n'aurais pas envie de rencontrer, mais tu as rencontré quand même. Il faut que tu me crois. Il faut te lever de la prière. Il ne faut plus être une femme simple. Il ne faut plus être un homme simple. Tous les hommes simples sont dans le problème aujourd'hui. Tous les gens qui n'ont pas Jésus-Christ sont exposés. Les accidents routiers, les accidents qui n'importe où. Et ça frappe les gens. Just like that. Juste comme ça. Ça veut dire aujourd'hui, deviens une personne spirituelle. Deviens totalement une personne spirituelle. Parce que si tu n'es pas une personne spirituelle, alors au revoir. Les esprits vont venir te visiter toi-même. Et tu risques. Viens, Lubessin, viens. Je te dis aujourd'hui. Viens, Mati. Que Dieu peut t'aider. Viens, Lubessin. Je te dis aujourd'hui que Dieu peut te délivrer, c'est pas trop tard. Nous tous, on a rencontré de telles créatures. Moi-même, je voyais la femme la matin, midi, soir. Moi, aujourd'hui, regarde. Ça va. Parce que j'ai été forcé, moi. Quand elle est venue, je l'ai chassée. Quand tu comprends, tu regardes telle vidéo. Tu vois que nous faisons telle vidéo là. Si c'est pour vous, c'est de la blague. Nous, pour nous, on sait ce que ça veut dire. Il y a des gens qui ne sont pas au courant de ça.
qui ne savent même pas que ça existe. Maintenant, quand tu regardes la vidéo, quand tu regardes la vidéo net, là, le seul fait que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, ça t'ouvre les yeux sur la chose. Et automatiquement, là, en toi, quelque chose est créé, quelque chose commence à se former en toi. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se met en position carrément dans ton esprit. Ça devient comme un mur qui va se positionner devant cette créature-là quand elle vient te visiter. C'est pourquoi nous te disons chaque jour, abonne-toi sur Yann Sobon, abonne-toi sur toutes nos chaînes, active les cloches, on ne sait jamais. Peut-être que tu peux tomber sur une vidéo, tu vas la regarder, pendant que tu peux la regarder, tu reçois une bénédiction, une protection, quelque chose d'extraordinaire. Tu vas même te sauver la vie. Nous sommes là pour sauver les âmes, même sur la page à laquelle c'est écrit, Jésus est mon seul sauveur, le Seigneur Jésus-Christ est mon seul sauveur. Et il sauve vraiment. Est-ce que le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire pour toi? S'il a fait quelque chose d'extraordinaire pour toi, il faut partager ce témoignage-là. Nous tous, on va découvrir ce qu'il a fait pour toi et ça va nous aider aussi. Maintenant, c'est plus de voir des frappes de ton sommeil. C'est pas de la blague. Abonne-toi, partage, abonne-toi, partage la vidéo. Partage la vidéo, ça va sauver aussi des âmes. Grâce à vous, des gens seront sauvés. Et ça, c'est extraordinaire. Nous comptons sur tout le monde. Et pour pas vous, les prochaines vidéos qui arrivent, ça va vraiment être extraordinaire. Regardez, même là-bas, là, il est écrit, Jésus vous aime. Et à côté, on voit Delice Market. Même les gens qui voient des délices, je ne sais pas quoi, et même ils savent que Jésus est Seigneur. Ça va, je te bénis, c'est vrai, ça. Prenez soin de vous. C'est à vous de décider d'entrer sur la bonne voie et nous vous encourageons sur le bon chemin. Prenez soin de vous.